Excusez-moi de vous déranger. Je cherche le marchand de sable et on m'a dit qu'il était peut-être chez vous. Ah non. Je l'aime bien, mais je ne peux plus l'inviter. Il endort tout le monde. Mes soirées étaient d'un ennui. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu ma pantoufle? C'est une petite pantoufle de verre. Je l'ai perdue peu avant minuit. Non, désolé. Et s'il n'est pas chez vous, vous sauriez où je peux le trouver? Hélas, non. Comte, quelqu'un a bu dans mon verre. Et quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Et quelqu'un dort dans mon lit. J'arrive. As-tu vraiment bien cherché partout? J'ai cherché sur la terre, sur la mer, et me voici dans l'espace. Alors il ne reste que sous la terre. Personne n'a vu la grand-mère. Où sommes-nous? Tu es dans ma demeure. Ah, pardon, et vous êtes? Le marchand de sable. Marchand de sable? Ça fait bien longtemps que je vous cherche. Je ne voulais pas dormir, et alors le loup est venu. J'ai chevauché à cheval, à moto, j'ai compté des moutons, j'ai vogué jusqu'à la petite berceuse et... Je sais tout ça. Ah bon? Eps, tu l'as trouvé ton marchand? Non, rien. Et est-ce que je peux rentrer maintenant et dormir dans mon lit? Trop tard, petit. Le jour se lève. Sois au rendez-vous, à l'heure où les enfants s'endorment. D'accord, marchand de sable, promis. Rentre bien. À ce soir, petit. 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 Lève-toi, tu vas être en retard à l'école. Allez, debout. Oh, mon petit, tu as l'air bien fatigué. C'est même pas vrai. Je suis même pas fatiguée. Très bien, donc ce soir tu recommences. Tu n'iras pas te coucher. Non, si. Je préfère quand même mieux mon lit et ma chambre. Et de toute façon, j'ai rendez-vous avec le marchand de sable.